à toutes et tous. Donc, me voilà pour le tirage donc pour le mois de novembre 2021 pour le signe du Capricorne. Donc, c'est du 22 décembre au 20 janvier. Donc, son élément, c'est terre. Et pour ceux qui aiment les pierres, la pierre du Capricorne, c'est l'améthyste. Donc, l'améthyste. Donc, on va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc, pour aller chercher votre petite couleur pendant ce mois de novembre 2021. Et le petit oracle du tarot. Donc, on va tirer une petite carte de Marianne Costa. Et ensuite, tirage en croix avec le tarot de Marseille. Et tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Donc voilà. Donc, je vous invite également à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, n'hésitez pas. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et puis, sachez que ben, malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc, en tout cas, on va aller chercher la première petite carte conseil. Le premier petit message pour vous avec l'oracle des couleurs. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour le signe du Capricorne pour le mois de novembre 2021? Donc, et comme pour tous les autres signes, je fais que deux tirages là avec le tarot de Marseille et l'oracle des miroirs. Mais d'ici une semaine ou deux, en fait, je referai pour chaque signe un petit tirage, vraiment un petit, avec le Béline. Donc, pour aller voir peut-être une évolution ou de nouveaux messages pour vous également pour le mois de novembre. Donc voilà. Un petit plus parce que je devais faire normalement les tirages des signes je devais refaire un tirage pour la dernière quinzaine d'octobre et j'ai vraiment pas eu le temps. Je suis vraiment désolée, je m'en excuse. Hein. Mais c'est vrai que je suis vite débordée. Donc voilà. Donc allons-y. Je vais aller chercher le premier petit message pour vous. Ah, Rose Bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Pour vous les Capricornes. On vous demande de vous libérer. Hein. Donc déjà, en commençant par vous pardonner. Hein. Et en pardonnant. Donc à ceux qui vous ont blessé. Donc il y a des Capricornes qui ont été blessés là. Mais c'est tellement facile avec vous en fait, j'ai envie de dire. Vous êtes un signe tellement fidèle. Hein. Donc sérieux, il est facile en fait de vous blesser. Hein, de profiter un petit peu aussi de votre fidélité hein, également. Donc, pardonnez-vous et pardonnez aussi aux autres. Hein. Ça va vous libérer, là. Hein. C'est vraiment le message pour vous, les Capricornes. Alors, allons-y. Le petit message avec le petit oracle du tarot pour vous. Je les trouve sympas, ces deux petits oracles, finalement, associés comme ça pour faire le tirage du signe. Je trouve ça très bien. Ouais. Il y a un deuil que vous allez faire, les Capricornes. Je sens ça. Vous allez mettre fin à quelque chose, à une situation qui vous a blessé. Courant du mois de novembre, les Capricornes. Vous avez été blessé. Alors, je vais juste noter ce que... Pour mettre quand même, pour vous guider un petit peu dans... Au moment que je vais publier, en fait, je vais mettre un petit tic. Comme ça, vous serez... Oh! Ben c'est beau. 10 de coupe. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive avec vous, pour vous, les Capricornes, avec ce 10 de coupe. Hein. Donc, le 10 de coupe, c'est vraiment des sentiments partagés. C'est la vie de famille qui va être favorisée là. Hein. Donc, après,
après avoir renoncé en fait à toutes vos peines, à tous vos vieux chagrins là. Donc, beau message, hein. Mais on sent, vous avez, les Capricornes, vous avez été blessés là, hein. Vous avez été blessés, on vous a mis dans la peine, hein. Donc, on va aller voir les autres messages avec le tarot de Marseille pour vous, les Capricornes, pour le mois de novembre 2021. Alors, mes guides, mes anges, tous les êtres de l'univers, quels vont être vos messages pour le signe des Capricornes pour le mois de novembre 2021? Ah, je sens que les Capricornes, vous allez voir la vie en rose, là, hein, au mois de novembre. Eh bien, tant mieux. Super, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour le mois de novembre? Pour le signe du Capricorne. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les signes du Capricorne pour le mois de novembre 2021? Merci de me donner des messages clairs, précis. Hop là, ça tombe. Ok, ouais, y a du beau qui arrive, hein. Je sens. Il y a un beau début qui arrive pour vous le mois de novembre, les Capricornes. Alors, on va aller voir la coupe. Nous avons la reine d'épée. Et nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, là, il nous dit, en fait, hein, pour vous, les Capricornes, vous avez peut-être été victime d'une personne peu scrupuleuse qui veut mettre tout en œuvre en fait pour vous faire du mal, hein, ou qui a tout fait en fait pour vous faire du mal. Hein. Et là, c'est vous en fait, vous êtes une reine d'épée, vous êtes une personne qui aimait en fait faire des projets, vous êtes intelligente. Vous êtes très maternelle également. Donc, très maternelle. Hein. Ouais. Mais il y a quelque chose de très positif qui s'annonce à vous, les Capricornes. Hein. Avec le 5 de denier, là, on parle que vous allez à recevoir de bons conseils. Hein, de bons conseils. Alors, par rapport, en fait. À cette personne en fait qui est peut-être néfaste. Alors, pardon. C'est peut-être une personne ou plusieurs personnes qui sont néfastes pour vous. Hein. Et avec ce 3 de denier, en fait, ouais, il y a quelque chose de rentable. Hein. Donc, on a l'ermite. J'ai l'impression, en fait, l'ermite, en fait, elle vous invite à faire un changement. À faire une transformation en toute conscience. Hein. On vous dit que il va peut-être falloir du temps en fait pour pouvoir vous permettre en fait d'éclaircir, hein, et d'atteindre aussi vos objectifs. Hein. Ouais, il y a quand même un grand bonheur à, hein, tous les niveaux, hein, qui arrive à vous les Capricornes. Eh bien, c'est pas mal du tout, hein. Mais on sent, on vous a fait beaucoup de peine, hein. Hop là. Ouais, avec le 3 de bâton, là, on vous dit que vous allez avoir de bonnes énergies, en fait, pour le mois de novembre. Peut-être même avoir des idées novatrices. En tout cas, il y a du succès à venir à vous. C'est certain. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Hop là. Ouais, reine d'épée avec le 10 de denier. Donc, c'est vous cette reine d'épée. Alors, si vous êtes un homme, hein, vous inversez. Hein, vous pouvez être très paternel, tout ça. Et avec ce 10, on parle peut-être de rentrée d'argent inattendu pour vous, les Capricornes. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Peut-être grâce à une réussite professionnelle. Hein.
Parce que là, on ne sait pas encore s'il y a du. Si c'est dans. Si c'est sentimentalement ou professionnellement. Moi, j'ai l'impression que ça peut être professionnel et vous allez. Ouais, vous n'allez pas vous y attendre. En fait, vous allez avoir une belle réussite, là, les Capricornes. Donc, allons-y. Tirage de 5 cartes pour vous, les Capricornes. Donc, il y a une grande réussite, hein. Parce que moi, je note des petits mots-clés aussi pour faire votre petit titre. Hein. Comme ça, vous saurez si c'est pour vous ou pas déjà, si ça résonne déjà. Alors, nous avons le valet de bâton, la reine de denier. Nous avons l'impératrice. Nous avons la reine d'épée encore. C'est bon ça, c'est bon là. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de très bien. Vous aimez en fait. Vous aimez la nouveauté, moi. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, on va commencer avec le valet d'épée. De bâton, pardon. J'ai envie de dire, en fait, là, je vois quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle, peut-être une invitation, là, que ça va arriver, en fait. Hein. J'ai l'impression que votre mois de novembre va vraiment commencer par une bonne nouvelle, hein. En tout cas, par une invitation, quelque chose de positif, en tout cas, hein, qui vient à vous. Nous avons cette reine de denier, en fait. Ouais, vous êtes peut-être obsédé par l'argent en ce moment. Peut-être qu'il n'y a pas de rentrée d'argent pour l'instant. C'est un peu votre obstacle, en fait. C'est cette situation financière, votre obstacle dans la vie pour avancer, pour faire des changements. C'est vraiment ça, en fait, que je ressens. Et là, vraiment, au mois de novembre, en fait, vous allez pouvoir faire, parce que je sens que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Nous avons l'impératrice qui est à l'envers. Donc, c'est une femme, en fait, qui réfléchit trop, en fait. Là, j'ai envie de dire, en fait, faudrait se mettre dans l'action. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'oppose à vous aussi. Donc, qui va s'opposer à vous, hein, qui va essayer de, comment dire, de vous mettre en échec également. Donc, attention, hein, de toute façon, on avait vu, hein, dans votre entourage, il y a peut-être quelque chose de mauvais. Hein. Mais vous êtes quelqu'un qui savait donner de l'amour. Hein, vous savez prendre soin des autres. Hein, donc voilà, hein, c'est ça. Hein, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein, donc, et là, on a le 8 d'épée. Ouais. Le sort s'est un petit peu acharné sur vous. Comme si quelqu'un vous avait pris au piège. C'est vraiment ce que j'ai. Hein. Mais vous allez vous sortir de ça. Vous allez vous sortir de ce piège. Il y a peut-être ce côté financier qui a été votre piège. Hein. Le fait aussi qu'il y a quelqu'un, en fait, qui avait pris le pouvoir sur vous également. Qui voulait imposer sa loi, mais vous allez sortir. Hein. Il y a de bonnes nouvelles pour vous quand même. Hein. Alors, je vais recouvrir une première fois et on verra si on recouvre une autre fois. Il y a des Capricornes qui se sont retrouvés, oui, bien pas libres en fait, hein. Pas libres de faire ce qu'ils voulaient. C'est quelqu'un de votre entourage, hein, qui vous bloquait, qui ne vous laissait pas en fait qui vous bloquait en fait, qui vous laissait pas votre liberté. Là, avec la reine de denier, là, je disais, hein, c'est peut-être un côté financier qui vous bloquait, hein. Vous aviez peut-être de manque de moyens pour débuter quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose qui va démarrer là, qui va débuter parce que vous allez avoir tous les moyens en fait d'y arriver. On va vous donner les moyens. Alors sûrement l'univers, hein, sûrement
cette nouvelle opportunité. Hein. Ouais, et on a ce 10 de denier. Hein. On parle de quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, hein, l'impératrice. Hein. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez. Hein. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, en tout cas, dans vos projets. Hein. Ouais. Ce manque de liberté que vous aviez en fait dans votre situation, ça vous retira en fait de l'énergie, beaucoup d'énergie en fait. C'est vraiment mon sentiment pour vous les Capricornes. Je vais recouvrir une dernière fois et on va passer à l'oracle des miroirs. Donc, on va les préciser un petit peu pour ça. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un vous bouffait votre énergie. Ouais. Vous allez faire une rencontre. Hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous hein, à arriver. Hein. Alors, ça peut être financier. Ça peut être aussi quelque chose de spirituel qui arrive à vous. Vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez peut-être avoir de bonnes intuitions, de bonnes idées. Mm. Avec ce valet de denier, en fait, ouais, c'est financièrement quelque chose qui arrive vraiment. Ah oui, c'est le valet de coupe. Ouais, il va y avoir quelque chose de positif à rentrer dans votre vie, ça c'est certain. Et donc financièrement également, hein, je vois quelque chose de financier. Ben, on a le soleil. Alors le soleil, c'est l'harmonie universelle. Ça va. Le mois de novembre 2021 va être une grande période de chance pour vous. Vous allez trouver des appuis, du soutien. Vous allez vous sentir protégé. Vraiment, tout va vous sourire là. Donc, malgré tout ça, hein, il va se passer quelque chose. Hein. Ouais. Il y a vraiment la roue qui va tourner, en fait. C'est vraiment ça, en fait, le message. Il va y avoir la fin de cette situation pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça va être une période de transformation pour vous, hein. Peut-être de début de transformation même. Vous allez enfin tourner une page. Vous allez vers du positif. Hein. Ouais. Et puis nous avons encore le jugement là. Alors le jugement, c'est la sagesse, hein, mais c'est aussi de nouvelles rencontres. Vraiment le renouveau. Vous allez vous allez avoir de belles idées, sans doute, certains d'entre vous, du renouveau. Certains, vous allez voir vos vœux exaucés, vos rêves se réaliser. Vous allez vraiment vous élever. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Donc voilà. Donc, voilà. En tout cas, de bonnes nouvelles pour vous, pour le mois de novembre, pour vous, les Capricornes. Donc, pour ceux en qui ça va résonner, en tout cas. Ouais, la roue va tourner en fait, hein. C'est vraiment ça en fait, suite à quelque chose qui s'est écroulé hein, dans votre maison. Hein. Ouais. Et là avec le 9 de coupe, on vous dit, hein, vous allez naviguer à nouveau dans le bonheur total dans votre maison. Hein. Ouais, il y a des choses qui vont se construire là. Hein. Ouais, je vois de la stabilité qui revient. Hein. Parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités, en fait, qui vont venir à vous au mois de novembre. Et vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Hein. Il va y avoir de l'inattendu. Et bien, c'est très bien. Moi, ça me plaît bien comme ça pour vous, les Capricornes. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Donc, je vais mettre un autre petit mot-clé pour vous guider, hein, pour venir voir mes vidéos ou pas. Hein. Donc, si le titre ne résonne pas, en fait, c'est peut-être pas... On a la trahison, les Capricornes, mais on l'a vu, hein, puisqu'on vous demande de vous pardonner et de pardonner aussi à ceux qui vous ont blessé, hein, donc c'est normal. Hein. Ouais. Ouais. Il va y avoir des opportunités pour vous, hein. Vous allez avoir un choix à faire, il y a vraiment des choses belles qui arrivent à vous, les Capricornes. Hein. On parle de retard. Il y a peut-être eu du retard dans certains domaines, on va aller voir ça. De toute façon, on va aller... préciser tout ça avec ouais, il y a vraiment un carrefour hein. C'est vraiment ouais, c'est un carrefour hein, ce mois de novembre pour vous.
Ça a mis du temps. Hein. Vous avez, ça fait longtemps que vous attendez en fait ces opportunités. Hein. Ah, il y a de l'amitié. Hein. Vous allez avoir du soutien. Alors, les guides, mes anges, quels vont être vos messages avec l'oracle des miroirs pour le signe du Capricorne pour le mois de novembre 2021? Allons-y. Alors, on commence à la coupe. Ouais, quelque chose de nouveau. Alors, moi, je vois des réunions. Alors, une réunion, ça peut être des discussions également. Hein. Vous allez avoir des discussions, peut-être trouver des accords. Ça peut être meeting aussi, hein, peut-être des réunions de travail également, et on vous dit pour quelque chose de nouveau va débuter dans votre vie, c'est pour vous, un miroir magnétique, c'est vraiment pour, pour vous les Capricornes. Hein. On parle de distance, alors il y a une distance, mais vous avez le miroir magique par rapport, ah vous avez peut-être, il y a peut-être l'amour hein, qui... Un amour nouveau pour vous hein, qui va être à distance. Mais c'est protégé en fait. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et vous avez la protection en fait. De toute façon, ça va être un protecteur hein, de toute trahison que vous pourriez en fait subir lors d'un carrefour que vous allez... vous allez vous retrouver à un carrefour. Vous allez avoir beaucoup de possibilités, avoir des choix. Et on vous dit, il va être là pour vous soutenir parce que... certains vont peut-être vouloir vous trahir, vous blesser, et vous avez la victoire, vous allez faire la fête. Hein. Ouais. On parle de réunion, de discussion, ça demande du temps. On parle de famille, d'hérédité, et vous avez la victoire. Hein. Bah, c'est nickel. Hein. C'est très bon pour vous, là, les Capricornes. Hein. Bah, moi, je préfère que ça soit positif que négatif. Hein. C'est pas toujours positif, mais là, c'est plutôt. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, toujours ce carrefour hein, pour vous. Hein. Alors, tirage en croix pour vous. On va vous montrer du doigt. Moi, je sens ça parce que on va vous montrer du doigt, vouloir vous culpabiliser en fait d'être heureux, d'être dans la joie. Peut-être d'avoir rencontré la bonne personne. Hein. Ça, il y aura toujours des gens comme ça. Hein, jaloux de... Jaloux du bonheur des autres. Hein. Surtout que vous avez un entourage quand même qui est défavorable. Alors, je ne sais pas lequel. Hein. Ça peut être vaste. Mais ouais, on vous demande quand même de faire attention. Hein. Il y a des jaloux autour de vous hein, qui vous souhaitent pas le bonheur. En fait, c'est vraiment ça le message que j'ai. Donc, on a la femme. Alors, la femme, c'est peut-être vous. Hein. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être des... Comment dire? Oh mince. Je perds mes mots. En tout cas, on va parler de douceur, de beauté. Vous êtes quelqu'un peut-être de très beau, très belle. Hein. Vous êtes dans la douceur. Hein. Donc... on parle d'influence féminine aussi dans votre vie. Ça peut être une influence féminine dans votre vie. Hein. Ouais. Parce que vous allez avoir des possibilités. En fait, ça va être vraiment là. On est dans l'appui. En fait, c'est quelque chose de positif pour moi. On n'est pas dans le blocage. Ça va vraiment être des choix que vous allez avoir. Hein. Et vous allez avoir la victoire. On parle d'étrangers. Ça peut être aussi de distance, ça peut être de voyage, ça peut être des petites vacances. Ouais, et de discussion, en fait. Hein. Il y a cette notion de discussion. Hein. Il va falloir vraiment prendre la parole hein, pour défendre peut-être vos projets, les Capricornes. Hein. Alors, ça peut être projet sentimental, ça peut être projet professionnel. Hein. C'est pas forcément précisé, peut-être, vu que je recouvre... Alors, cette douceur, hein. Ouais, il y a un cadeau qui arrive d'une femme pour vous. Vous allez avoir un cadeau courant du mois de novembre. Alors, le cadeau, ça peut être déjà, ça peut être une surprise. Hein.
Vous n'allez pas vous y attendre, mais on avait ce quelque chose d'inattendu hein, également. Ça peut être le soutien aussi, hein, de la reconnaissance tout simplement. Vous allez faire un choix parce qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il va y avoir une perte. Il va se passer quelque chose en fait. Peut-être un accident, je ne sais pas. Quelque chose que vous n'avez pas prévu là. Ouais. Et vous avez la victoire hein, vous avez, sur les changements que vous allez faire. Hein. Hein. On parle de, alors de distance, vous allez peut-être être accusé, hein. Ouais. Ouais, vous allez trouver des solutions hein, lors des discussions, mais vous allez être accusé, hein, peut-être de prendre de la distance également. Alors, je vais recouvrir une dernière fois. Ah, le cadeau, c'est l'amour. Hein. Et l'amour dans la douceur hein, pour vous, l'amour dans... C'est un cadeau pour vous, hein. Vous en rêviez, hein. Ouais. Vous allez beaucoup correspondre, hein, donc par rapport à cet accident. Hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. Ouais, on vous dit de prendre la parole, en fait. Hein. De toute façon, vous allez devoir prendre la parole. Hein. Ouais, c'est le retour des accusations, là. Comme si, en fait, on aime vous accuser. Ou c'est le retour aussi d'une personne dans votre vie. Hein. Il y a une ouverture et puis il y a l'argent. Il y a quelque chose d'abondant qui va arriver dans votre vie grâce à cette ouverture, grâce à cette solution trouvée. Et on vous dit que les Capricornes, c'est votre destinée. Donc, voilà. Alors, on va finir. Ouais, on a la clairvoyance. Ouais. Vous allez avoir des intuitions par rapport à une séparation. Hein. On vous a montré du doigt parce que vous avez trouvé le bonheur. Hein. Il y a la loi. Il y a un retour. Hein. Hein. Solitude. Mais vous avez la victoire par rapport à tout ça. Et donc, vous allez vers quelque chose de nouveau à nouveau. Hein. On parle de chance, tout ça. Hein. Donc, c'est plutôt très bon pour vous. Donc, je reviendrai avec le Béline pour vous faire un autre tirage. Donc, on veut. Bah, vous verrez si c'est toujours sur les mêmes énergies ou pas, ou si bah, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, d'ici une semaine ou deux pour vous, les Capricornes. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis bah, à très vite, tout simplement. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Allez, bisous!